Ils sont venus un nombre incalculable de fois, avec encore et toujours de l'espoir. Les salariés de Ford sont venus appuyer leurs délégués au comité de suivi, ici à la préfecture. 3 heures de réunion qui ont fini par une escarmouche entre le délégué CGT, Philippe Poutou, et le délégué interministériel. On a dit que là, ce qu'ils font, là, c'était lamentable. C'est qu'en fait, ils sont en train de laisser faire Ford. Voilà, il y a comme si. En fait, leur idée, c'est que comme maintenant, comme Ford a pris la décision, on n'y peut rien, il faut s'adapter, il faut faire avec. Et nous, on dit non, le combat, il continue. L'ensemble des participants a dénoncé l'attitude de la direction qui a l'intention de lancer un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Ford est sur des positions complètement bloquées. On a exprimé à plusieurs reprises l'incohérence totale de leur manière de faire de la part d'une multinationale. C'est une honte. Des négociations seraient en train de s'ébaucher entre Ford et un éventuel repreneur. Mais la direction n'a pas donné plus de précisions. La pression que nous avons exercée, si je puis dire, avec monsieur le préfet, c'est sur l'urgence qu'il y a à entrer dans des négociations exclusives avec un ou deux repreneurs. Et je dois dire que j'ai essayé de fixer, et ce n'est pas nouveau dans mes conversations avec Ford, comme fin juillet, comme étant un objectif. Je dis bien un objectif. L'objectif est donc de réunir tout le monde début juillet autour d'éléments précis au sujet de cette reprise. Nul doute que l'on sera arrivé à ce moment-là au bout de cette très longue agonie.